Et on se met à écouter du Jean-Jean Ouzelt. On va jamais faire le débat, c'est sûr, parce que les musiques sont extrêmement bien travaillées, bien huilées et puis bien écrites. Les paroles sont extrêmement profondes et c'est ce qu'on adore. Et on aurait aimé, par exemple, que les jeunes qui nous écoutent, justement, non seulement nous entendent, mais aussi nous écoutent, prennent ce monsieur comme un exemple. Il s'agit de Jean-Jean Roosevelt, un jeune artiste de Jérémie. On va essayer de lui tirer le verre du nez parce que M. Campbell le bagaille vous le dit. Jean-Jean, ça va bien? En forme, en forme, en forme, Evan, c'est un plaisir, moi. Pour me la matin avant dans le top show, et moi garde top show en pile, le moins, surtout le en Haïti, parce Ok, que good. Nice. c'est le gain plus temps. Il faut rester C'est connecté. ça, c'est ça, c'est ça, parce que ici, le dans le pays, hein, moi tellement, gain monté des scènes, tellement gain viré. Est-ce que bon, mon Yes. caméra, bon? Allez toujours. Allez, Moi-même, allez, allez. moi-même. Ok, good. Toi aussi? Aller dans le coin toujours, bien. Non. Voilà. Ok. Oui, tellement bien viré, bien pile activité. Donc, souvent, je regarde la radio, mais l'homme à l'étranger, je regarde en live et je Good. pense que son bel show qui a fait l'autre travail et dans la musique, dans musique haïtienne. Là, Merci. et nous besoin de choses. Alors, donc, nous là matin pour nous faire parler. Tout à fait. Qui est-ce qui Jean-Jean Roosevelt? Moi-même, je connais. Il y a un peu de monde qui est en bas là, qui connaît. Il y a un peu de monde qui attend les radios, qui connaît. Il y a un peu de monde qui regarde la télévision, qui connaît. Canal Bleu, Simeus TV. Mais il y a deux, trois personnes aussi qui regardent toutes les médias que je me suis cité là, qui manquent d'informations sur Jean-Jean Roosevelt. Tu es d'où? Qu'est-ce que tu as fait dans la vie avant d'arriver à. On est à la musique. Bon, il faut dire que moi c'est Jean-Jean Roosevelt, et c'est le nom d'artiste Jean-Jean Roosevelt, et c'est vrai nom que mon nom. Donc je dis souvent que j'ai même pas eu le temps de choisir un nom d'artiste parce que m'étais joint moi au devant de la scène. C'est-à-dire que m'jeune, c'est comme si m'dadou m'tombé dans la musique sans pas vraiment Nice. préparé pour ça. Nice. Parce qu'en fait, je viens de Jérémie, je suis le dernier né d'une famille. Quand je suis arrivé à Port-au-Prince, il n'était pas question que je fasse de la musique. C'est pas ton bail que m'étais même l'homme philo, comme si m'dadou dit, ah, m'bral artiste. C'est vrai que je chantais à l'école, je chantais dans des fêtes, etc. C'est moi qui étais artiste ville, là, à l'époque, m'étais en bas. Mais c'était juste un truc d'enfant, un truc de jeune, juste pour amuser la galerie, faire belle petit poème pour mesdames, etc. Surtout avec Mais Jérémy. c'est ça, mais il n'était pas question de choisir de faire de la musique un métier. Donc ça veut dire que l'homme rivé ici, avec la balade Max, chanson que j'avais composée pour les Miss Vidéo Max, et je me trouve, en fait, vin comme ça, moi que Mounio a pris les matisses, Mounio a fait vin jouer une activité, Non, mais etc. c'était une superbe C'est chanson. ça, donc Il y a c'est. Robert Denis qui te regarde, Ah ouais, on salue qui était le directeur de monsieur. Télémac à Ouais, l'époque. c'est ça, c'est ça. Donc moi t'ai fait musique là, et puis vin au devant de la scène comme ça. Donc juste pour me dire que entre Jean-Jean Roosevelt, le nom de famille que en fait nom mon quand même avec nom d'artiste que me c'est même bail là. Parce que pas de temps, choisir Ouais, mon nom d'artiste. ouais, Dans la sur mon petit ouais. Ouais, tout profil. à fait. Et moi levé Jérémy, et me fait toute étude classique mais dans ville Jérémy, me quitter Jérémy en 2004 même. J'ai dit que je n'ai pas longtemps depuis que je viens dans la ville là. Et me rappeler que tout événement, et GNB, ou pas, c'est la première fois que j'entends des cartouches, en pile Ouais. d'ailleurs, ça me tire. Parce que moi-même, je suis sorti dans une ville côté que, je me disais aux amis, dans un mois, je me fais pour Prince, je m'entendais autant de cartouches que bah, je m'entendais pendant 19 ans, me faire vivre Jérémy. Oh. Ça veut dire que Wow. je viens de prendre Prince et je me disais, à gauche, à droite, Wow. et puis m'a sorti l'université mon femme couche à terre ou les débats comme ça moi les papa me dit pas prêter moi c'est Oh va yeah. me plonger dans les yeux tout le Jérémy encore me fait toute période pendant les manifestations pour le prince même Jérémy et puis après me vienne monter pour le prince après le bah au fin calmé donc c'est le ça me fait musique pour mes vidéos max et puis me commencer comme ça c'est un coup donc marketing quoi. En fait, c'était juste un défi
que me développer. Parce que, en étant le dernier né de la famille, j'ai 4 soeurs. Oh, et, nice. Et c'est toutes ces fanatiques, mais oui, mais qui m'ont rempli le chalet. Donc, chez moi, on me disait souvent que, ah, où sont coq la cou, parce que c'est un de la seule, on voulait chanter. Quand on va être fait dans Télémax, là, quand on va être fait dans Télémax, on va aller là de même. Oh, parce wow. qu'à l'époque, il y avait, tu savais que, en fait, pour les Miss Vidéomax, il y avait des artistes invités à chaque fois. Tout à fait. Et donc, quand les artistes sont venus et ils ont chanté en musique, etc. Mais moi-même, et chaque fois que je suis en vacances, c'est qu'on a forcé à le faire ça. Même pas de jamais une chance à le faire. Au bout du moment, slogan est arrivé, il est trop tard, mm-hmm. pas de place encore, mm-hmm. etc. Maintenant, je me dis, ah bon, si vous me faites musique, je me faites un bagage qui est arrêté. Et c'est comme ça que j'avais commencé à fredonner à la maison. Chante, danse, tout le monde dit, ah, là, c'est une belle musique, etc. Il faut enregistrer, blablabla. Et puis voilà que j'ai fait la chanson. Mais à te dire vrai, je ne savais pas si et c'est ton musique qui t'a pris l'été comme ça. Dans Téléma, ça a fait tâche d'huile. Voilà, c'était juste un truc pour amuser les filles, les miss. Mm-hmm. Donc moi, je pensais que c'était un truc qui va rester au niveau de la Télémax. Okay. Mais j'ai eu le malheur de d'aller chanter la chanson à la Télémax pour l'ouverture du concours. Je m'en rappelle. Ouais. Et puis moi-même, yo bye émission, hein, sans que moi-même pas trop elle. C'est-à-dire, il y avait une semaine déjà. Mm-hmm. Parce que tu sais que yo toujours enregistrer l'émission avant au diffuser. Maintenant, moi-même qui part là, le montage, mm-hmm. le tournage, même pas à le diffuser. Yeah. Donc il y avait une semaine déjà que j'ai commencé à diffuser la Télémax que même pas de Coel. Oh, pas de connaît. Pas de connaît. Oh, ok. Et puis maintenant, l'homme la camionnette, pas monter la caméra, mon abgardé, mon abgardé, je dois. Beaucoup comprennent ça. Faites là, quand je me sens chaque fois que je rentre dans camionnette, je suis pas sur l'époque. Je me suis Jérémy, c'est l'école Vini. Oui. Je suis sous dôme. Oui, bagay, sur l'université. Je ne pas connaît. Et puis chaque fois que je suis dans la machine, camionnette, moi, je dois être sur. Je me suis parlé, je me suis. Et même si je ne suis pas avec ça, je me dis, oh, ça passe. La gueule est là. Et puis c'est comme ça, moi, comme si. Mais après là, oui, mon a fait photo avec, etc. Je me suis trouvé, je me suis tombé avec, je me suis parlé pour ça. Bien entendu. Et puis, bon. Moi, rentrer dans un schéma. Tu as pris ton envol, mais par exemple, où tu as gagné des aides vraiment titanesques, comme on dit, le Malolo décidé. Ah oui, pour moi, ah oui. Non, mais Malolo, c'est. Donc, a dit que je dis là, et Simka, j'aime bien là, je dis, parce que en grande partie, Malolo, c'est le monde qui fait. Mis à part ton talent. Voilà, non. Là, quand je parle de quand je m'a parlé de du côté d'encadrement justement d'encadrement et Malolo, en fait Malolo commençait travailler avec à partir de donner le monde de femmes que me fini fait et puis m'a cherché sponsor pour donner le monde de femmes. Est-ce que c'est elle qui t'avait inspiré? Non, d'ailleurs qu'elle a quelque chose à voir avec cette pas trop connaître Malolo l'aime de faire musique ça. Ah ok, good. Me fini faire musique là et puis m'a cherché sponsor. Et puis, il m'a tombé dans le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes, que Manolo était chef cabinet de Madame et Magloire Chancy, qui était ministre à l'époque. Et puis, il m'a demandé pour ministre. Là. À te dire vrai, je ne sais pas même qu'on existence au monde comme Manolo. C'est vraiment. Okay. Et moi, pour me dire ça, je ne sais pas. Même pas qu'on existence au monde qui était Manolo. Parce que, vous connaissez, tu sais, avec Jérémy, avec ouais. Félix Otande, ça veut dire que le conseil de bail qui va arriver sous nous, au printemps, il va arriver. Et à l'époque, on était concentré sur l'école, pas vraiment dans la politique, etc. Donc, ça veut dire que, qu'on est au monde, comme si moi-même, dès qu'on est 20 gens, des animateurs, des artistes, même pas vraiment. Mais à cette époque, j'étais pas animateur. Non, tu étais chanteur à l'époque. Ouais. Ou tu es chanteur, c'était. Dès qu'on est dans le concours de Noël, dès qu'on est dans le jour, nous t'es fâché, la vie me dévaille. Tu visites, fais un compte mal taille. Back in my life. La vie, j'aime. Faut répondre à ça. Dès qu'on est dans le belle. Yeah, donc on a belle avec Doré, etc. Yeah. Donc ça veut dire que moi t'es laisse moi t'es plus bon. Eh, monsieur comme musique a plus passé moi là. Ben oui, parce que moi t'es fanatique. Thanks man. Non mais sont fanatiques mais. Non mais sont fanatiques mais. Donc ça veut dire que moi t'es à l'époque Evangel t'a mené. Ah oui, avec pile, vous êtes confronté de l'autre musique encore, yeah. Avec de l'autre artiste, yeah. Et Vengeant, bah non, c'était une belle époque. Donc époque le samedi Jérémy, bah vraiment qu'on existence son. On monte quand comment lolo et puis l'homme vient pour le prince, l'homme finit faire musique de demande aux femmes, m'aller dans le ministère, l'homme rencontre elle et puis c'est là ça a commencé. Waouh, il pas quoi que nous sommes jeunes qui levaient dans le pays. Il me dit oui. Ok, comment tu lui as proposé la musique? Est-ce que tu lui as donné un CD ou du moins au fait au ballon de vous pour en faire des musiques? En fait, mal dans le ministère, là mal contre ministre là. Ok. Et réceptionniste l'a dit, écoute, je pense que l'autre monde qui était plus intéressé, c'est le chef cabinet ministre qui c'est Malolo. Mm-hmm. Et puis il y a les Malolo, il dit, mais il y a deux jeunes qui étaient venus au ministre, est-ce que vous voulez recevoir?
on n'avait pas rendez-vous. Mm-hmm. Et mon loulou, avec toute sagesse et puis ouverture d'esprit que qu'on connaît, il dit, mais fais le monter. C'est comme ça, me monter. Ça à l'époque, il fait que je suis dans le filo. Ah, les gars, fait si je suis gentil. Je suis pensé au pif, il faut passer tout le monde sous la terre. Je suis dans le filo comme philosophe. Et puis, monter là, on vient bien bordé. Ah, M'chita, m'expliquer. Comment s'expliquer, mon lolo? Je me dis avant que mal plus loin, je t'avais compté si Walkman. Et puis, je me suis dit, est-ce que vous attendez ça? Et puis, je me casse. Et puis, je me prends le texte là, je vais aller mettre devant. Et puis, elle a commencé à écouter la chanson. Et moi, de l'eau qui a sauté dans le gym. Oh, nice! Oh, et God! La cam me dit, oui, je prends. Et puis, elle dit, bon, c'est une très belle chanson, etc. Et puis, c'est le même côté, elle commence à me dire, mais qui ça m'a fait, mais qui ça m'a fait. Elle aide me faire vidéo clip musique là, elle rentre dans la barre et puis depuis lors, elle m'a adopté. Beautiful. Et puis, c'est comme ça que je viens de Malolo dans la vie en support, je viens de Malolo dans la vie comme mère adoptive, qui vraiment est ben moins. Comme c'est toute affection et l'amour au moment t'as cabaye en petit. Donc c'est parce que je dis là mon lolo c'est mon. Est-ce que sous chemin qu'on y est je dis là c'est lui même qu'on t'es toujours gagné dans tête comme objectif ou bien est-ce que tu as bifurqué un petit peu à un moment donné bien déterminé. Et il faut dire que j'aime te comment c'est dit au début moi pas vraiment et qu'on est comme devenu artiste. Fait profession, fait musique comme profession. Mm-hmm. Ça veut dire que moi t'es rêvé qu'on carrière de professionnel, même gens et grand frère qui s'est pas rien, qui s'est premier monde dans la famille, qui vient de Port-au-Prince, qui fait agronomie, 4 semaines au vini, il fait infirmière. Donc ça veut dire que moi-même, le paraît, c'était médecin supposé. Ça veut dire que tout le monde dit 4 semaines, je parle dans la médecine, pourquoi fait 4 semaines qui est infirmière. Ouais, fait 6 ans. Etc. Voilà, c'était ça. Maintenant, le rentré dans faire musique, et m'pas attendre à ça. Maintenant et feeling et ça me décarre les et comme t'as dit ça me senti que mon bagage pour me dire me senti que mon bagage pour me faire au fur et à mesure m'a affirmé m'a confirmé et que vraiment arrêté dans la ligne que ça m'y a et puis me vin mon carrière et j'en voilà. Mais on nous dit que et musicalement parlant et non j'aime côté mieux aujourd'hui là pas regrette du tout. La question était par exemple est-ce que c'était l'objectif, est-ce que c'était le chemin tracé depuis longtemps, depuis quand tu avais commencé? L'homme t'a commencé artiste ça que parce que dans moment ça là, excuse-moi de t'entrecouper un petit peu, dans moment ça là wa font musique qui gagne âme. Il est important pour mentionner que wa font musique qui gagne âme comparativement à ce que tu faisais dans le temps. Ouais. Ou bien comparativement à ta première ton premier bébé quoi. C'est ça. Non, je comprends. En fait, mais bon, de toute façon, moi-même moi c'est un genre de personne qui aime apprendre. Qui apprend en pile et au fur et à mesure m'a modifié, m'a peaufiné, m'a travaillé et ça m'a fait. C'est sûr que je veux dire premier album et cinquième album, mais c'est deux bails différents. Vous comprenez? Et c'est sûr que 6e, 7e, ça sera différent. Tout à fait. Maintenant, et m'étais toujours voulu, j'en suis dit tout à l'heure, on dit que des jeunes qui apprennent comme modèle, oui, m'étais souhaité un jour que musique ça m'a fait. Je ne connais si c'est par rapport à l'éducation que j'ai gagné, par rapport à la formation, par exemple, l'homme sorti Jérémy et gagné des bagages, mon lacaï, t'es comme toujours. Dim, ou pas qu'on a fait ça, ou qu'on a fait ça. Et dans l'école que m'étais professeur, que m'étais gagné, et m'étais dans l'école qu'on organise, ça veut dire que m'étais plus ou moins un petit monde qui était bénéficié de bonne éducation. C'est ça. Donc ça veut dire que moi, t'es, comme tu as dit ça, m'étais voulu que musique, moi, reflétait mon samoyé. Ça veut dire que m'font musique qui potable. En musique que n'importe qui monde attendait, en musique que n'importe on n'a pas hésité jouer dans le salon la caillou et l'école, Claire. L'université Claire. Et donc et tout contribuer au fur et à mesure que n'a grandi, n'a vu comprendre qui vraiment rôle on artiste qu'à jouer et dans société qu'on doit vivre là même à travers le monde tout qui sont qu'à changer, qui sont qu'à proposer comme sortie de crise etc. Donc vienne à faire musique dans ton âme de comme t'as dit ça
de contribution en fait dans avancement et société. Yeah. Donc ça veut dire que nom ça qu'on vient découvrir et dans la musique aujourd'hui là, c'est ça qui explique elle. Expliquer que on artiste c'est pas seulement un monde qui est là pour faire monde content, pour faire monde danser, mais qui est là tout pour à travers la musique, à travers ça la chanter pour faire monde réfléchir, pour proposer des sorties de crise, etc. Donc c'est ça. C'est extrêmement, tu vois, dans l'élément de réponse que tu viens de donner, qu'on bagaille qui m'a quand même Denis Odia proposer des bagailles, par exemple pour les sorties de crise. C'est sûr qu'il y a des problèmes dans cette société et tu proposes des choses dans ta musique. Voilà. Et dans toute proposition ça au Kofia, tu as été gagné quelque chose avec ces propositions que tu as faites. Mais que tu as l'habitude de faire de tes chansons, tu as été gagné quelque chose d'extraordinaire en France. Ouais. Et pas seulement qu'en France. En France, c'était le summum. Est-ce que tu peux nous en parler? Une médaille d'or au jeu de la francophonie à Nice et le prix TV5 Monde aussi. C'était extraordinaire. Fallait le faire. Pas de pensée. Si je me fait commencer à faire musique, je savais que j'allais gagner une médaille d'or et sur scène internationale, je ne non, pas penser ça. Je me toujours pensé que ma une belle carrière parce que je suis un monde qui, le ma font bagaille, m'a donné. C'est-à-dire que je me la donne et je travaille sans arrêt. Je toujours senti que je manquais, je toujours fait maintenant. J'ai toujours connu que ma fait une belle carrière. Quelque chose ça m'a choisi comme métier. Mais maintenant, je connais que c'était comme ça, la forme ça, que je t'ai pas révélé. Et au monde entier, ou du moins au niveau de l'espace francophone, que c'est artiste, moi, je me pensais ça. Bon, c'est la vie. J'ai décidé que c'était en France et que moi, j'ai remporté deux gros prix ça. Parce qu'en Haïti, on a souvent parlé TV5 Monde. On a souvent parlé de médaille d'or des Jeux de la Francophonie, qui c'est et en fait c'est pour ça me déplacer. Parce que pas oublier, la Francophonie organisait les Jeux de la Francophonie tous les 4 ans. Maintenant, tous les 4 ans, les Jeux de la Francophonie, il y a sport, il y a musique, il y a photographie, il y a un paquet de bagages là-dedans. Maintenant, chaque monde, chaque groupe, chaque catégorie, il y a une médaille d'or qui est décernée. Mais TV5 Monde lui-même, qui sait, multinationale. Voilà, chaîne de télévision, qui couvre toute compétition. Toi-même, tu le prends ici, tu le prends comme une chaîne de télévision. Oui. Mais c'est ne pas lui donner ce qui lui est dû. C'est ça. Mais sont multinationales. C'est vrai qu'ils sont chaîne de télévision, mais sont multinationales, par exemple. Ou elle prend CNN et puis elles ont son chaîne de télévision. C'est ça. Parce que ils couvrent le monde. Ouais. Maintenant. Et puis, la pigeon est des millions. Ah, go poser. Et puis, TV5 Monde décidé que puis bail on prix à monde que estimé qui parce que pendant tout concours net c'est le lauréat des lauréats donc c'est prix ça a me prend encore c'est dit en réalité prix TV5 Monde là il y a beaucoup pas le dire qu'il y a beaucoup plus de valeur mais les c'est quand on t'a dit ou premier dans catégorie pao et puis toute catégorie confondue ou premier encore voilà. Donc c'était ça le prix TV5. Le prix TV5 là, un symbolisme vraiment. Ah oui, l'autre pareil. C'est ça. Mais nous-mêmes, comme nous étions plus partis pour les Jeux de la Francophonie, comme si tout le monde plus focus sur ça. Mais c'est en réalité, c'est prix TV5. Ok, Jeux de la Francophonie, c'est l'initiative de quoi, de qui? Jeux de la Francophonie, c'est l'initiative de la Francophonie, le CIFJ, qui est basé à Paris. Mais comme Francophonie, son espace qui est regroupé près de en fait 76 en fait presque 76 pays. Donc c'est une compétition qui est faite sur tout pays qui parle français. It's huge, man, c'est il va pas petit dans tout pays qui parle français. Ça veut dire 76 pays francophones pour aller participer dans concours ça. Et c'est Jean-Jean Roosevelt qui revient d'Haïti, plus précisément de Jérémy. Ouais, avec Médala. Ouais, c'était ça. Kenya, c'était ça. C'est ton gros bagaille. Pour nous-mêmes qui avons gardé là, et pour nous recevoir, l'homme d'après se voir BIC, ici, là, il y a peut-être un mois de cela, nous te dit, il y a un paquet qui t'a marqué en bas live là, que. Gon façon que me dé parler de Jean-Jean, n'a que dit que Jean-Jean pat nan niveau ça.
vous vous trompez énormément, mais vraiment énormément. Jean-Jean, c'est né qui, moi-même, j'ai vu la vidéo de ce monsieur qui a été chanté dans une salle où il y avait. Est-ce que je me dis que des blancs? Je ne suis pas trop l'autre nation que l'autre nation. Je ne suis pas trop l'autre nation. Et où est-ce que tu étais là exactement? Peut-être que, en fait, j'ai fait tellement de choses. Oui, tu as fait tellement de choses. Mais vidéo, dans un moment là, peut-être que c'est au Vietnam, peut-être que c'est. Non, je pense que c'était en Europe. En Europe, peut-être que c'était en France. C'était en France, parce que moi j'ai fait plein de tournées, j'ai fait plein de grandes scènes, plein de grands festivals, festival de jazz de Montréal. Mais tu n'en parles pas, c'est pour cette raison que les incrédules. Mais que ça me parle, il y a une sorte de méchanceté en ce qui a trait à Jean Mounio. Moi-même, je suis pas un monde qui est un mec qui aime parler au cas où ça. Et je ne pas aimer parler de radio en pile, je pas aimer faire interview souvent, parce que ou même son cara, que je viens là matin, je suis sorti dans la tournée, je viens, personne ne connaît si je suis dans la tournée. Parce que je remarque que dans le pays d'Haïti, en fait, Mounio choisit de dire n'importe ça, vous voulez, sur n'importe qui monde. Mounio avec un crayon dans mes yeux, son plume, comme des monsieur Miyagi qui décide de dire monsieur bon, et bien monsieur pas bon. Est-ce que vous me dites? C'est eux-mêmes qui choisissent qui est-ce qui fort, qui est-ce qui pas fort. Moi-même, je ne veux pas rentrer dans le débat ça avec personne parce que c'est des goûts et je ne veux pas discuter de ça. Et le grand bagage, je toujours connais que Mounio n'a pas retirer sur moi ses talents. Est-ce que vous me dites? Moi-même, je vais plutôt arrêter, je fais silence. Je ne veux pas être conflictuel qui peut se faire discussion. Il y a des animateurs de radio. Je suis content de débattre sur moi. Juste, comme tu as dit ça, je choisis de dire que je suis dans l'émission, je suis encore tranquille. Je suis dans le jour, je suis là, je fais discussion. Je suis tout de suite là, moi-même, je connais, je dis, là, je vais écrire les Google qui sous toile. Oui, oui, oui. Tout est sur Google. Voilà, elle sur Google, fait Jean-Jean Roosevelt, et puis, je fais toutes les réponses. Je ne pas même je viens dire, je suis pas dans tel niveau, etc. Moi-même, je dis là, je dis là, le moins, dernièrement, font moi, Montréal, je ne fais rien. C'est-à-dire que je me choisis pour une petite vacances. Je me suis occupé de regarder les têtes sur Internet là. Mais c'est un bagage extraordinaire. C'est un bagage extraordinaire que je suis fier de ça m'a réalisé comme artiste. Et je dis là, je suis fier de ça m'a représenté dans la musique haïtienne, dans la musique mondiale. Parce que je dis là, quantité, tout ça, on est arrivé. Et comme artiste, en fait, dans l'âge, moi, là, dans le parcours, je ne suis pas plein. Je dis là, tout le plus grand festival qui fait à travers le monde, je l'adore. Ok, good. Bien content qu'on dise ça. Et c'est une question que je pose toujours à mes invités, à mes nombreux invités qui étaient là. Je leur demande, par exemple, dans tous ces festivals que tu as été participé, est-ce qu'à aucun moment de la durée, tu as été, par exemple, invité d'abord par un ministère quelconque, le ministère de la culture par exemple, ou bien le ministère des affaires étrangères, qui justement peuvent s'arroger ce droit de checker, par exemple dans un cadre d'échange culturel, ok, par exemple voyez on artiste ou bien on ben à participer dans un festival qu'a fait dans tel autre côté, ok, est-ce que ça s'est déjà passé pour en Haïti? Oui. Non. Non, jamais. Ça pourquoi j'en fais? Non. C'est des initiatives personnelles. Pas personnelles. On nous dit que c'est des organisateurs de festivals à l'international qui ouais que ça m'a fait, hein, qui me voit sur internet, qui ouais travaille moi et puis qui invite moi. Ah, aucun structure étatique. Non. Ça n'a jamais été question de l'État qui voyait mal fait à le faire. Moi-même toujours j'ai dit que et ça fait trop le monde a dis un bagage soit sur Facebook ou bien sur puis on pas besoin m'attendre ça même pas occuper mon parce que ticket en pile fois là dedans c'est des monde qui jaloux en pile fois et un monde qui jaloux ou pas grand on dit parce que jalousie en lui gonfler en dans cœur quelque chose j'ont essayé expliquer il pas derrière des têtes lui ça le connaît lui même là dit et puis deuxièmement on connaît que pays en gain un problème de comme tu as dit ça de misère là dedans qui fait que en pile fois des monde qui sautent dans qui wow semblait avec eux et que qui peut-être ouais fait effort au lieu pour le temps fait effort tout lui-même il peut faire des trucs sur internet là ou bien il dit soit fait apparaît ou bien ah ouais ok même c'est mon genre ah monsieur c'est la quoi c'est yo ou qu'a toujours dit ça ou qu'a toujours dit ah bah monsieur a pas grand niveau là dedans ou qu'a toujours dit ça mais en fait qui certain c'est que je dis là si
et en Haïti, un monde qui au Vietnam paye un billet pour moi pour venir jouer pour lui au Vietnam et puis il paye me tourner en Haïti, un monde qui en Afrique, il y a les dia musique monsieur a fait bon, bon me fait je viens jouer pour moi. Des jeunes africains, des jeunes par exemple jeune gros cover en musique moi que les ding ding dong, que pas même quoi que nous connaît en Haïti même, que les ding ding dong que on groupe en Malaisie ils reprennent. On fait cover musique là, vidéo, nice, etc. Nice. Ça veut dire que moi même pas besoin de venir dans 10 bagailles. Tes œuvres sont protégées, hein? Oui. Tu as l'assassin. Non, mais ça sert, oui, ça sert. Ok, n'a plus ça parce que nous avons plusieurs sujets pour nous débattre. Okay. don't get me wrong, Jean-Jean. Démarches moyens sont démarches, par exemple, qui tout à fait, on peut dire, normal. Lit. Normal que on structure étatique. On cap nommé par exemple deux structures étatiques, par exemple ministère de la culture ou du moins ministère des affaires étrangères dans le cadre de échange culturel prend contact avec d'autres ministères de la culture ou bien d'autres ministères des affaires étrangères d'autres pays. Oui. Dans le cadre de échange de services proposés, par exemple que nous gagnons un artiste ou bien des artistes ou bien un ben ou bien des ben qui t'a aimé vin participer nous t'a aimé voyer vin participer dans festival qu'on fait la caillou. C'est comme ça que ça se fait. Justement, c'est comme ça fait dans notre pays. Justement. Et ça pas jamais arrivé non, que non pas jamais jeune et genre de proposition ça ni pas jamais jeune bah, good. OK. Les œuvres de Jean-Jean sont protégées par la SACEM. Jean-Jean est membre de la SACEM. Oui, je suis membre de la SACEM. Depuis quand? Et depuis 2009, je suis membre de la SACEM, depuis sous deuxième album pratiquement. Et puis bon, faut me dire que chaque année tout SACEM gagne bah yo voye bah moi parce que chaque fois musique joue dans notre pays. Tout à fait. Pas chaque année, il t'a supposé chaque 6 mois. Parce que je suspecte qu'il joue en pile. Oui. Yo voyez, toujours voyez, mettez ton petit cob sous compte de temps en temps. Maintenant, et ce jour tout à l'heure, je pense que le ministère de la Culture t'a supposé intervenir, j'en dis. Tout à fait. Non, bah, c'est parce que moi-même, le Malon Festival, par exemple, j'ai rencontré des talents festival en Louisiane et puis j'ai rencontré des Martiniquais qui étaient venus au festival. Mais Martiniquais, ça, c'était des groupes en Martinique que ces ministères de la Culture définitivement en Martinique qui subventionnaient pour venir. Il y a un échange de services, il y a un échange culturel. C'est pour ça qu'il y a un ambassadeur là. Parce justement. Que c'est un ambassadeur qui a des services et des sections culturelles dans chaque ambassade qui est là pour faire des échanges. Mais maintenant, bon. Souvent que c'est pas vraiment bagaille ça que mon nous régler et c'est bien malheureux que nous gon pays qui a tout artiste ça qui a tout talent ça et puis nous pas essayer fait que mon ça ka porter l'argent pour pays par exemple je dis là moi même en nous clair que 80% de ça me fait pour me vivre comme artiste de revenu mais c'est pas me faire à l'extérieur parce que c'est à l'étranger je joue plus c'est là me vendre plus CD c'est là c'est dit que c'est on nous dit que c'est mal chercher l'argent dehors me porter pour payer maintenant au monde qui joue avec besoin monde qui guitariste qui pianiste qui bassiste qui joue avec que me voyage avec nous tourner nek ça va le faire comme tout tourner venir occuper madame au petit en Haïti ça veut dire que c'est une rare bagaille que nous gagnons nous à exporter et c'est dommage que l'État pas mettait un système en place pour régulariser bah, ça pour faire que plus artistes qui ont une opportunité pour al évoluer à l'extérieur et puis porter bagaille pour payer justement son forme de création d'emploi et tout. Ah mais tout à fait parce que même bonne nèg cap travaille avec ça veut dire que nèg ça aussi des nèg qui tapent dans la rue cap chercher job qui tapent pas comment dire là qui tape le fait que vous avez un travail déjà. Donc c'est que moi-même pour moi-même générer un paquet d'emplois. Tout à fait. Si nous avons 20, nous avons 30, nous avons 40, nous avons 50, nous avons 100 artistes, même j'avais même fait même travail. C'est une valeur en plus. Nous sommes pratiquement traités en parents pauvres et par ces soi-disant ministères. Oui, mais jusqu'à présent, nous-mêmes artistes, il y a beaucoup reconnaître nous comme un métier en Haïti. C'est-à-dire le métier d'artiste n'est pas reconnu. Je veux dire, on a si mal fait, on prêt à la banque.
et puis m'écrit dans bala comme c'est artiste, il va pas problème. Ça n'existe pas. Faut me joindre l'autre lettre qui dit que m'a travaillé dans association. Faut qu'on baille comme ça. Non, mais tu sais que la BHDA va changer tout ça et tu as au courant de la BHDA. Oui, oui, je connais, moi t'as bien content. Au moins au poco à l'envie. Moi dans BHDA. On a BHDA. Très bien, très bien. Normalement, tu as supposé fonctionnel. Tu as supposé fonctionnel depuis nous sommes en octobre, ouais, depuis. Oui, ce mois d'octobre ils sont fonctionnels. J'avais reçu pendant le mois de septembre Emily Prophète qui est la directrice de la BHDA. J'avais reçu aussi Tira qui va être un employé de la BHDA et qui milite depuis des années pour cette affaire, pour que cette affaire soit fonctionnelle et efficace. Et, normalement, pendant le mois d'octobre, ça va supposé fonctionnel. Et monde qui a inscrit dans la BHDA, bien sûr, et artiste, qui gagne œuvre qui a joué dans la radio et la télévision, il y a beaucoup qui viennent sous le club. Il n'y a pas donné d'abord aux radios et aux télévisions. Naturellement, il faut que vos musiques soient naturellement enregistrées. Non seulement enregistrées, mais aussi il faut que vos musiques soient diffusées dans les radios et vos vidéos dans... Ici en Haïti. Oui, tout à fait. Oui, nous espérer et qui grand jour je glorie sa haï. Non, ça va être parce que en fait, on va pas tout à l'heure. On pas qu'être monde en Haïti vraiment qui pas comme musique, mais aussi mon gars acheter studio qui connaît yo. Parce que radio pas vraiment jouer musique, mais radio, télévision. Ouais, c'est ça? Non, je pas vraiment jouer. Je pas vraiment jouer musique haïtienne. Hein? Et puis, forme musique, m'a joué. Là, sont les émissions qui va jouer. Je dis là, moi, je suis un pile en Haïti, quand même, un pile qui est fanatique, mais surtout dans des écoles et universités. La jette féminine? C'est ça, un pile. Donc, madame, vous regardez. Non, elle connaît. Elle connaît. Donc, moi-même, par exemple, moi, j'ai forme de promotion, pas que me fait. J'ai jamais orienté carrière, pas j'ai marché, pas que me pratiquement créé. Par exemple, je dis là, on ne toujours pas jamais même dans affiche que des promoteurs, des organisateurs de spectacles en Haïti a fait. Même je sans rester dans l'école. Yo. Yes, that's true. Ça veut dire que dans l'école. Et tu n'as pas besoin qu'une affiche. Tu n'as pas besoin qu'une affiche. Ouais. Tu n'as pas besoin qu'une affiche. Et puis, et fidéliser en public. Bah on est où t'es na graduation, yeah, modern school. Yeah. Ou après que l'homme commence à chanter, on peut tout petit monde a chanté même ça. Non, et ceci c'est pas radio diffusé. Ouais, tout à fait. Donc ça veut dire que il y a des monde qui peut-être et souvent pas prendre temps pour tendre et musique mais déjà et le fait que je chante en français et il y a des monde tout carrément qui boudent. Tout à fait. Qui boude dit, ah, monsieur Sonne, qui a fait intéressant. Et puis, mon frère, ça qui, le pire, c'est que, il y a des gens qui disent, ah, monsieur, pas chanter pour mon en bas. C'est quoi cette histoire? Et puis, en plus, je comprends que, il y a une ignorance dans la question, parce que, je suis un chanteur engagé. Quand je chante en français, moi, plaider, par exemple, en musique en courrier à danger, c'est en musique. Forcément qui a fait des monde fâchés, son musique qui a plaidé pour situation et monde qui pis vulnérable. Définitivement. Pour la donne. On ne peut pas qu'être musique que je chante en français, mais c'est des engagements, c'est des positions que je prends pour monde qui semble agir. Est-ce que vous comprenez? Mais monde dans les mêmes, le fait que, parce que moi-même, je fais musique, par exemple, il y a une rare musique en anglais que je fais, son musique pour me répondre à Donald Trump. Okay. Si je ne vis pas là à Donald Trump, on fait musique en créole. Faut parler dans la langue. C'est. On répond, c'est besoin de la revise dans le monsieur direct. Son réponse, son. C'est comme si je ne dois pas affronter les là. Et déjà, situation économique et Haïti et les États-Unis n'ont pas semblé du tout. Le monsieur a dit, ah, je ne vais pas sortir dans le pas sortir dans le ok, je ne vais pas besoin de l'apprendre. Il faut tout parler avec monsieur pour tout comprendre. Claire. Par exemple, je chante pour pratique. Qui existait entre les grands pays et les petits pays. On peut qu'à Haïti, les gens nous a exploité, nos gens nous a pesé nous. Chanter la créole, oui, d'accord. Il a pire un paquet de monde qui a compris. Mais chanter la français tout, monde ça va pas la veille là. Il pas comprendre. Ils comprennent plus facile, ils comprennent plus direct. Est-ce que vous comprenez? Donc ça veut dire que river son scène internationale dans concours, chanter il y a danger qui acculé. On t'a dit grande puissance yo. Pendant que nous devons jury. Tu vas fâcher certaines personnes. Eh bien, c'est ça. Et donc, ça veut dire que. C'est multinational. Voilà. Donc, ça veut dire que. Là, on m'a dit, monsieur, pas chanter. Je dis toujours, pardonnez-moi, non.
Mmh. On dit peut-être que c'est ignorance. Ouais, et puis, bon, et puis la vie continue. Moi-même, je continue ma route et avec même détermination. Mmh. Même sagesse-là. Et je ne pas quitter mon déroute. C'est-à-dire que même si mon dad, ce n'est pas de bagarre. Non, mais ça se voit. Ça se voit dans tes œuvres. Parce que où style a chanté en français, premièrement. Deuxièmement, et je pense que ça t'a amené à des endroits où tu n'imaginais même pas. C'est ça. C'est ça. Il faut continuer à le faire. Il faut continuer à le faire. J'aime des Italiens, j'aime d'être présent là. Et c'est un monsieur qui n'est pas dans le caniveau. Ouais. Mais faut mon je vais attirer attention à mon nom. Je disais que je suis créole. Nous sommes créoles dans la musique. C'est-à-dire que le fond de ma musique est créole. Je suis créole comme personne. C'est-à-dire que quand j'arrive quelque part, on a toujours parlé français comme un moyen de communication, comme une langue. Mais ça se voit. C'est créole. C'est créole, comme son haïtien pur. Sur une scène internationale, je chante en français, mais je parle créole aussi. Tout à fait. Moi, je fais des bagailles qui font que tout le monde ouais que là son haïtien en moi wayawayo ouais. En français là, c'est du créole pur et simple. Voilà le fond de ma musique, pile paquet de tambour cap jeu, c'est du créole. Donc ça veut dire que et bah on est cap fait zuzu intéressant. Non. Moi même je pense sincèrement, premièrement c'est dû à ta formation d'abord, et c'est aussi pour moi-même, dis-moi si je me trompe. Pour moi-même, c'est aussi un coup marketing. Parce que j'aime dire là, les menons des côtés qu'on peut pas imaginer. Oui, mais c'est clair, okay. C'est clair. J'ai vu une vidéo de Jean-Jean Roosevelt avec une artiste africaine. Ouais, Caresse Fotso. C'est comment ça s'appelle? Ouais, Caresse Fotso. C'est une fille, ouais. Elle est camerounaise. Camerounaise. C'est une chanson superbe. Tes chansons sont toujours superbes. Merci. Dans le Game of Thrones. Et tu fais quelque chose que j'adore. Il y a une forme de jeu question-réponse dans tes chansons. Et il y a toujours la participation du public dans tes chansons. Tu poses des questions et puis le public te répond. Ouais. C'est encore une fois un coup marketing en musique. Ouais. Ouais, mais tout à fait. Il n'y a pas à sortir de là. Il faut avoir une stratégie. Chacun a sa façon de composer, sa façon de comme c'est, à chercher le public là. Parce que pas oublier, quand tu es sur scène, c'est peut-être que des fois, ou à l'autre côté, que c'est grain fois ça pour que vous venez jouer là. C'est-à-dire qu'il faut absolument que vous restez dans la tête. Tout à fait. Et la seule façon de rester dans la tête des gens, c'est d'essayer de les faire chanter. C'est-à-dire que soit faire mon chanter ou faire le crier, faut faire un bail quand même. Clair. Moi-même, j'ai rencontré une dame une fois, j'étais à un festival comment pays ça arrivait, c'est en France, non, c'était en Norvège, et puis le map tournait, mais t'es une dame qui te parlait français, enfin, t'es une communauté francophone qui était en Norvège, qui était venue dans le spectacle. Et puis le map retournait. On croise avec Dame dans l'avion. Dame a dit, franchement, je suis assisté à un concert là. Et je pense que on fait toute bagaille dans une heure de temps. Wow. On fait nous content, on fait nous crier, on fait nous réfléchir. Wow. Donc ça veut dire que c'est ça. Donc il faut déjà, ta composition, dans la conception même des chansons. L'âme. Voilà. Donc il faut avoir un peu d'humour, parce que dans la musique il y a des blagues à bail, mais il y a un sérieux dans tout, il y a un bail qui peut tout réfléchir. Donc ça c'est des bagages que je travaille en pile sous lui, et je pense que ça marche à tous les coups. Tout à fait. Dans chaque festival que m'aller, c'est toujours même constat. Comment te vient l'inspiration, et dans quel état d'esprit que tu te mets, par exemple, comment tu te prépares? Tu peux être prêt et puis l'inspiration ne vient pas. Il faut se préparer. Ouais. So, comment tu te mets pour que cette inspiration vienne à toi? Bon, il faut dire que quand tu es un artiste engagé, la vie courante t'inspire. Ça veut dire que si je dans la machine là, m'a sauté la caméra, et puis m'a regardé c'est tout sous côté route là, comme c'est des petits monde qui viennent dans la machine qui suivre. Vite là, m'a regardé un machin qui chita de pile fatra. Ouais, m'a pris pendant me sous là, m'a regardé comme si des jeunes, même gens avec ouais, qui marchent dans la rue, ouais, mon nom vide. Ça veut dire que mon nom est loin, il a réfléchi, comme si vous sentez que ça, c'est un monde qui a un problème. C'est l'enveloppe charnelle qui est présente. Voilà. Mais mon nom n'est pas là. Voilà, ça veut dire que
tout bagaille ça, c'est le bagaille qui fait que au cap depuis la machine on commencé à gagner bagaille qui traverse. Okay. Et moi-même, je suis un fin observateur et me garder en pile, me garder en pile et me pour compte comme c'est me réfléchir par exemple là pour compte c'est le facilement yeah. Faut pile ton pas parler ou regarder yeah, yeah. ça est doux en pile surtout pas parler ouais voilà yeah. Ça est doux en pile donc yeah. Moi-même me fait même mon cap jouer pendant mon cap jouer là moi gain droit et à regarder m'a jouer le tout non mais pendant m'a jouer m'a réfléchir en musique parce que m'a regarder frustration mon qui en dedans quoi mon qui dit OIF 60 60 60 88 88 états ça c'est un gars qui s'appelle Gary Assad m'a salué Evans Jean-Jean ça qui passé non mais 80 la francophonie c'est IF c'est 88 états membres et observateurs oui donc ça veut dire chaque année il y a des monde qui rentre il y a des monde qui aller mais les observateurs dans l'aime d'aller hein ils ont pas participé dans la compétition c'est 76 qui était oh ok c'est 76 il y avait beaucoup plus de non il y a beaucoup plus de pays dans la francophonie parce que états membres et observateur. Ok. Donc, mais à l'époque, Jules Lemta allait avec 76 pays qui étaient dans. Et il a encore dit cela signifie que Jean-Jean Roosevelt a accompli quelque chose de très grand à Nice. Oui. Il adore les jeux de la francophonie. Bon, écoute. Oui. Pendant ma parole, il va me garder dessus. Oui. On commence à me dire, donc ça veut dire que. Non, il y a que des gens positifs ici. Oui, sur le live de tableau. On n'accepte pas de négativité. Gary Assad, c'est le frère de. C'est le frère de Assad. Oui, qui travaille à l'ambassade de France à Paris. Ouais. Yeah. Donc oui, c'est un ami. Oui, il était là aussi. Il était venu. L'ambassade de France était venu à Nice. C'est monsieur qui vient de se voir. Oui, il était bon médaille. Oui, c'est un bel bagage. Donc pour me dire que l'inspiration, il vient n'importe qui, Jean. Mais Jean Mzoula, mon moyen fait que je suis toujours en préparation. Mm-hmm. C'est-à-dire que je suis toujours en préparation important. Pour me joindre. Ça m'a bien. Yes. C'est-à-dire que. C'est pour là c'est pas quitter mon détourné right. de chemin et penser musique manger musique danser musique moi je suis comme ça je vis musicalement c'est à dire que chaque bail qu'a fait m'pas songer que quand c'était musique m'commencer pas fini j'aimerais me dire moi m'pas comme réaliser 10% de projet musicalement ça veut dire que m'gna faire un album là et m'gna pas 60 musique qui était passé dans tête mais pour album ça bon ca songer quand c'était musique me commencer puis pas fini donc ça veut dire que toujours un bagaille cap commencer toujours un bagaille qui pour qu'on fini toujours un bagaille qui là que c'est pas ça me veut pas quoi me veut faire bon faire comme ça plutôt donc ça veut dire que la vie en général son vie de musique. OK. On a parlé de l'artiste camerounaise tout à l'heure. Comment elle s'appelle encore? Caresse Photo. Elle était venue en Haïti. Hein. C'est vrai? Ah oui, elle était venue en Haïti. C'est toi qui l'as amenée? Bon, entre guillemets, parce qu'il y avait un festival de rencontre des musiques du monde, que Gary Lubin m'a profité ça, lui qui fait go activité ça. Gary habite derrière. Oui, derrière, oui. Donc, Gary qui doit nous amener Emeline Michel très bientôt ici. Ok. Ah. Et puis, la camerounaise qui ses amis, et puis me dit Gary, bon, possibilité, c'est nouvelle, nous avons fait venir. Et puis, c'est comme ça, nous mettons ensemble, nous faisons rentrer ici. Et puis, nous jouons deux fois, nous jouons avec l'Institut français et puis Focal. Ok, nice. Très bien. Tu as fait une chanson avec elle, tu as réalisé une chanson suivie d'un vidéoclip. Ouais. Ok. Ça t'a donné quoi? Ça t'a amené à quoi? Ça t'a servi à quoi? Non, mais donc, c'est toujours. En fait, les collaborations avec des artistes internationaux, c'est toujours intéressant pour un artiste. Non, tout définitivement. C'est-à-dire que c'est notre marché, c'est notre public. Tu vois, c'est de l'autre monde qui découvre le travail. Je dis là, au Cameroun, je n'ai pas un inconnu. Ah, ça veut dire que quand. Et KS Fotso, c'est son bel artiste. C'est peut-être ça me pose une question. Ça, son bel artiste camerounaise que Mounio Rémy pile. Maintenant, musique, ça me fait. Faut me dire que actuellement, pendant ma parole là, dans le présent moment, Kounia là même. et Gon concours qui fait classer avec musique ça. Oh, nice. C'est une musique qui a tellement marché nice. Au Cameroun. Et elle a choisi de faire un coup marketing, comme tu disais tout à l'heure. Elle a lancé un concours d'interprétation de cette chanson avec des jeunes artistes camerounais et camerounaises. Donc, pendant que je disais mon vidéo, je me fais envoyer Bali pour promotion et musique. Là. C'est une musique que mon aurait aimé en pile. En plus, elle nous dit que c'est une rare musique, l'amour qu'elle chante en français. Ah, ok. Habituellement. Une rare musique, l'amour
que lui-même chante en français. Ok, habituellement, elle, c'est dans sa langue. J'étais dans la langue locale, j'étais en français tout. Okay. Mais musique ça, il n'est pas tellement chanté l'amour. Okay. En réalité. Okay. Mais musique ça fait mon découvrir son autre facette. Extraordinaire. Et puis ça balance l'autre visibilité. Faut me dire que j'aime dire, si me dire musique là qui arrive à un niveau côté que mon yo faut concours d'interprétation avec. C'est comme si si tu te rappelles de à jamais musique ça a tellement marché en Haïti en époque. Yeah. En pile jeune de qu'on a interprété musique ça. OK. Donc okay. Musique vient avec moi. Son bagage qu'on s'allie au Cameroun et me supposer aller au Cameroun dans début année 2019. Mais justement, c'était le but de ma question. Oui. Est-ce que le Poco Poté, par exemple, en tournée pour Jean-Jean? Oui, non, c'est clair, c'est clair. Et c'est extraordinaire. Et c'est sûr que tu vas rencontrer d'autres artistes au Cameroun. C'est ça. Et même regarder des commentaires qui viennent en bas vidéoclip, ça, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Facebook. Après, c'est un pile Camerounais qui a pu commenter. Et en plus, c'est pas juste une question d'amour. En fait, la chanson, c'est une chanson d'amour, mais bourrée d'histoires, d'informations. Oui, tout à fait. Beaucoup d'informations. Parce que vous parlez de tout ça, l'ouverture. C'est ça, de Dessalines, de... Et c'est zéro elle, au Cameroun. Au Cameroun. Et on a parlé aussi de... Parce que, c'est une forme d'appel à cette diaspora africaine de comme tu as dit ça, de mettre ensemble pour ça. Mm-hmm. Parce que l'idée, c'est de dire que si nous prenons la musique, là, sur même l'aspect économique qui est dans la musique, là, mm-hmm. de nous parler par rapport à dot, il faut payer la dot. Mm-hmm. Ça, c'est des bagailles qui fait dans le pays pâle. Et maintenant, comme tu as dit ça, rapport colonial qui gagne entre les pays européens et Afrique et Haïti, mm-hmm. c'est des gens qui rentrent là, nous. Qui prend tout à fait nous et puis qui a la avec. Tout à fait. Ouais, tout à fait. Qui prend tout à fait nous et puis qui allait dans le pays avec, qui peut être bien riche, etc. Et puis sur le pays, la dot là, ça se fait encore? Ça se fait encore, quand jusqu'à aujourd'hui? Jusqu'à aujourd'hui. Oh my God. That's crazy. Ça se fait encore. Dans des tribus, dans des régions, dans le pays Sao. Ça se faisait du temps de la colonie, là où il y avait. L'homme se marie. Non, mais même après la colonie, ça a continué. C'est en culture, la caillou. Mais même quand ils utilisent une forme imagée pour attaquer, on sait de l'autre bagaille. Mm-hmm. Par exemple, même la question de Napoléon. Elle me dit comme ça. Et comme on a vaincu l'armée de Napoléon. L'armée napoléonienne, c'est un bagage que pas enseigné dans l'histoire en France. Il n'y a pas enseigné Timounio que Haïti des Salines, des battes l'armée ça. Il n'y a pas jamais dit ça. On leur a foutu une déculotte. C'est ça. Et donc, moi-même, la musique ça, pas de parler de l'amour, je tout parler que nous te battre l'armée Napoléon. That's it. Et ça, c'est important. C'est important pour nous rappeler français. Parce que moi-même, je dis ça de tout côté, je sur quelque soit chaîne de télévision française que nous vivons, je fais une interview, je n'ai jamais raté une seconde. Yeah. Pour faire connaître que nous sommes première république noire libre et indépendant et nous te battre la main à Napoléon. That's it. Est-ce que parce que c'est important. Il y a pas enseigné. On leur dit pas. Voilà. Les petits enfants qui sont en France. Il y a pas qu'on histoire ça. Il y a pas qu'on est que nous te battre. Il y a pas qu'on ça. Et c'était la plus grande armée à l'époque. Il y a pas qu'on ça. Ouais. Donc ça veut dire que musique ça a l'idrine de elle tout ton c'est une page d'histoire, voilà, d'amour, de rencontre entre une Africaine et un Haïtien qui a été arraché en Afrique pour venir en esclavage en Haïti et que aujourd'hui là Haïtien ça a voulu prendre Africain ça retourne. Non, c'est vraiment c'est une page d'histoire. Non, il y a pas sorti là. Mais on pas balayer dans la radio ici apparemment. On balayer c'est pour un découragement, non, Evans. C'est juste. Quand on arrive là pour te décourager, oui, la grande scène que tu as été. Le découragement, comme si pour ne pas bailler musique dans la radio ici. C'est pas que je dis, comme si je ne comprends pas ce qu'on fait là. Ok. Moi, dit, non, jusqu'à présent, je l'observation toujours. Pays, parce que son pays a des problèmes. Ouais. À tous les niveaux, ouais. Nous avons des problèmes. Même au niveau de réflexion, nous, au niveau de gens nous comprennent le monde, comme ouais, si, de haïtien avec haïtien. Parce que des sujets, d'après moi-même, comme si, qui sont très banal, qui sont simples, n'importe qui nous a mais comme si, ouais, monsieur, on a fait ça, monsieur, on a fait ça, monsieur, on a fait ça, et puis, compétent, go, discussion. Sans quoi, elle dit là. De façon banale, oui. Mais son bagage qui grimpe philosophie, sans se dire là. Des bagages qui sont simples. Qui simples. Par exemple. Qui couleur estime que ça est? Ça, c'est un bagage qui. Un jour d'abricot qui commençait. Oui. Bon, il y a des gens. Je ne sais pas le prendre ça. Oui. On prend ça.
Ça rouge, pas vrai? Oui. Couleur, ça rouge. Oui. Ok, un peu ça. Oui. Ça rouge, pas vrai? Ouais. Quel est rouge? Comment Vlad veut dire que ça a bleu? C'est ça, et puis Vlad dit que ça a bleu. Et puis il y a un argument. Et puis il y a un argument. Il y a un argument pour le fort que le bleu vient. Comme si quatre. Et puis Goulot, là, qui dit son jaune. Et puis ils sont dans des discussions pétées. Vas-y, Vlad. Bah, c'est ça, vrai. Non. Là, je comprends. Même dernièrement. Okay. Pendant sous Facebook, m'a regardé le concours de radio-télévision Caraïbes, yeah. Et Podium 4. Yeah. Bon, désolé, ça me fait pas publicité. Non, c'est vrai. Donc, okay. Et puis. M'a regardé avec qui haine, avec qui, comme si des haïtiens a critiqué des jeunes artistes haïtiens qui juste viennent en concours, man. Te jure. C'est-à-dire que ça me dépasse. N'a joué une série de jeunes qui seul péché que commettre, c'est parce que ils ont osé venir participer dans le concours pour faire ouais que ils ont chanté. Mais c'est même pas un péché. Non, mais c'est son péché parce que si n'a joué le niveau ça, son crime. Mm-hmm. C'est comme si son monde qui était font crime et puis. Si tu vois, avec la rapidité, et comme si quand c'est moun cap joué, oh, regardez, figure, c'est fils, ça, ouais, regardez, bois bien, monsieur, regardez, comme si des bêtises, me dit, oh, c'est comme ça que haïtien raille, haïtien pareil, avec autant de haine des jeunes, moi-même, c'est vrai que ça arrive avec un monde qui vient dans le concours, qui a une lacune, mais écoutez, ça fait dans tout le pays. Tout à fait. C'est des jeunes, déjà, m'bat bravo parce que, c'est comme je dis, mon papa, osez venir pas dire. Je ne pas me jury concours. Je suis un juge concours, je suis un mauvais juge parce que je suis malade de musique. Depuis mon café, là, je suis fanatique. Donc, je suis juste à regarder. Non, mais ce qui me fait comprendre, c'est que je suis juste à regarder qui j'ai corrigé. C'est son timon qui vient dans le concours. Ça veut dire que nous sommes timon qui vient apprendre. Et parce que là, on est venu dans le concours, par exemple, où c'est juge, et puis on n'a pas allé laver la chance. Non, ça, c'est notre bagage. Non, nous parlons de ça. Non, mais justement, ça a disqualification. Oui, clair. Maintenant, si nous étions dans les normes et dans les règles du jeu. Ça veut dire que tout le monde qui venait déjà même qui était bravo pour. Maintenant, ouais que qui gens nous mêmes haïtiens n'a joué avec quantité de haine. Pas bye 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 petit nous mettre là. N'importe les garder un bon chat, garder un bon live concours pour qui ça il y a 10 sous tout le monde. Tout à fait. Ça m'a énervé, m'était comme si bah la pique me juste dans zo, me dit qu'il y a sidéré. C'est qu'on ça pays à, c'est qu'on ça pays à hier là. Faut venir révolter. Pays comme si nous avons des problèmes. Non, mais écoute, la haine okay. Se lit dans okay. Le visage de certaines personnes. La haine se lit, c'est un combat qui est palpable. Man. C'est un bon exemple, c'est pas vrai. Il y a un artiste togolais, des jours au Togo, dernier concert que je fais en Afrique. C'est extraordinaire. Est-ce que vous entendez? Nous, peut-être pas au courant, nous, peut-être pas bonnet. But, live là sur YouTube, là. Ok. Gaucho, belle, hein. En fait, artiste togolais, ça qui invite, vient jouer au Togo. C'est l'homme arrivé au Togo, j'aime mon yo adoré monsieur. C'est-à-dire que comme si nous avons dit au Togo, monsieur, son un artiste comme c'est tout le monde aimé, que vous considérez comme un gros artiste. Et mon yo aimé monsieur comme ça, c'est un, musique monsieur Obel, deux, toute valeur ça monsieur au Togo, c'est parce que monsieur a participé dans le jeu de la francophonie. Wow. Tenez wow. Bien, monsieur a qualifié dans 20 finalistes, monsieur dans 20 finalistes. Wow. Mais monsieur pas de prendre Je ne suis pas premier d'elle. Mais. J'étais juste parmi 20 finalistes. Au Togo, tout le monde est chapeau bas. Waouh! Voici, monsieur, tu es gagné même. Quand on a là, l'homme qui vit au Togo, qu'on a en tant que médaille d'or. Oui. Dans l'édition passée. Et il m'a dit, oh. Qui a fait monsieur comme ça au Togo? Même comme ça, il a dit. Il a dit. Mais ça me dit, moi, mais ça, il faut. Je le rire, mais. J'aime moi, mon content pour monsieur qui va même premier d'elle. Si c'est monsieur qui t'es premier d'aide d'or. Bon, il n'a pas monsieur Palais. Non, non, mais c'est pas possible. Parce qu'un roi dans son pays. Jusqu'à présent, monsieur ça a en Haïti, m'la, comme si, n'ayo. Je te jure. C'est... Nous avons un ami qui veut en faire. Il faut un paquet de monde qui est extrêmement avisé là. Je dis, je suis dit, je suis dit, Jean-Jean parlait nous de rencontre qui était fait dans le métro, lui-même seulement, qui était là-dedans. Et puis, il y a une dame avec un petit garçon qui vient monter. Donc, ça c'est musique. Ça, c'est musique. Pourquoi ton grandi qui, Ah non, musique, ça lui-même. Bon, écoute. Ouais. Non, là, et vraiment, tu veux dépasser l'entendement humain.
et il n'est pas possible pour faire une musique qui non, je te jure, qui n'a approché ça, qui atteint le sommet ça. Oui, musique ça, il fait mon. Tu sais, quand tu fais. Il y a de ces chansons, il y a de ces chansons, de ces textes. Quand tu les écris, mon ami, grand pile monde qui n'a pas fait des gros exercices avec mental. Yo. Ouais. Mais je ne te dis pas d'écrire de la. Ouais. Ouais, excuse-moi. Ouais. Mais, brother, l'arrivée sur le monde. Même monde qui pas qu'à lire bien. Ouais. Tu comprends pas? Ouais. Même pas c'est musique ça. Dans qui est ta d'esprit côté? C'est l'autre qui va. C'est même bail là m'abdou là. Jean monsieur a parlé, c'était son histoire vraie, son bail qui arrive en Belgique, 11h30 du soir, fatigué, m'a saute mon bail, bonnet dans tête, moi je me lagué sous dos, guitare là même, mon métro, mon chita. Et puis une dame qui venait avec un petit monde, on blanche avec un petit monde blanc qui venait et puis petit monde là même guitare. Lui est moun. Il a besoin qu'on a la vie de main et guitare. Définitivement. Et puis, maman, elle va faire vite. Maman, père, non, non, fais pas ça. Et puis, premier arrêt, mon jeune homme, dans mes trois, fille à descendre. Fille à beaucoup arriver. Il peut arriver. Claire qu'elle peut arriver. Parce que t'es là. Parce que là, il peut, il descend. Ah. Et puis, pendant que fille à descendre, je me dis, monsieur, quand il y a une fille à casser, on va arriver là, t'es là, t'es dehors. Alors que dans mes trois, je ne peux pas faire moi-même. Et si moun, non. Sans préjugé, sans rien. Il parle de sacré comme ça, anyway. Li ou moun, c'est mon li ou moun, depuis le moun, c'est confiance, c'est vivre ensemble, c'est il pas connaît innocence et puis Timon là choisi à venir jouer la guitare maman lui-même peur parce qu'il pensait ah n'importe bagarre qui arrive là. N'importe bagarre qui arrive là la courir pour un nèg tant comme. Donc ça veut dire que et c'est le moment ça pendant m'a regardé à la ticket monsieur. Je regarde Timon ça, comme si qu'il a capacité, comme si qu'il a Timon a fait, qu'il facilite ça pour entendre y avait mais puis maman qui est plus grand, pas gagnant. Et puis me fait dire pourquoi t'as grandi et puis. Il y a des pourquoi pas. Pourquoi? Habituellement pas fait ça non, Habituellement nous tellement gain contenu, contenance, substance. Nous avons fait trois autres tables, parler. C'est débat, oui, son oui, show oui. Débat. Mais la musique, ça a fait nous faire un titan d'elle. Parce que les gens ont une dimension qui dépassait pour moi-même en tant que bien humain. Yeah, man. Non, la musique, ça a été belle. Oui. Non, non, non. Ça. Stop with your music. Non, mais vraiment, man. Non, non, parce que. Non, ça c'est... Non, écoute. Là, c'est un niveau qui dépasse vraiment la tête humaine. Ouais, et justement, c'est ton expérience dans un train, dans un métro, avec un petit monde petit, et puis maman, lui, peut-être, qui sont des blancs, et puis qui ouais, et puis qui décidait que... Ah, mais si mon a décidé que faut le boire l'amour, parce que avec mon guitare, c'est ça. Il n'y a pas rien de méchant dans nous-mêmes. C'est ça. Et puis, la dame, oui. Avec tous ses préjugés, tous ses complexes. N'absolue un peu le monde qui boit là. Et Fabrice Cousier, maestro, Fab, en forme. Armstrong Jeune. Et Dadou D.Y.S., qui sont véritables. Où est Dadou D.Y.S.? Dadou. Monsieur son animateur compas. Et monsieur, c'est sur Facebook qu'il fait Bahélio. Mais monsieur son véritable phénomène du côté de Miami. Okay. C'est n'importe où à Miami, ma bonne humeur, okay. Monsieur, okay. Faut aller faire chaud avec monsieur. Okay. Mais mon cher, pour nous dire malheureusement, man, diaspora haïtienne qui aux États-Unis, m'a pas vraiment arrivé, non? Parce que, vous connaissez, les gens qui font chaud, ils vont inviter, les gens qui font actif programme, ils vont bon, inviter, ils okay. Vont jamais aller. Donc ça veut dire que, je ne peux contrôler sur combien de fois. Combien de fois me jouer? Ma foi là, dans la Douzi West. Je ne jouer aux États-Unis. Really? Oui, je ne pas jouer aux États-Unis. Souvent, c'est un côté me jouer moins. Mais en Afrique, en Europe, ah oui. C'est arrière-cour. C'est Canada, l'Afrique, l'Europe, c'est la manche. Ok, est-ce que tu sais par exemple que tu as aimé par la jante féminine? Et beaucoup aimé par la jante féminine? Non, bluffé. Moi je me dis que c'était bluffé. Non, je me connais, non, je me connais mesdames et messieurs, je connais ça. Mais il faut me dire que depuis l'école, c'est une raison qui fait que je gère la vie comme ça, je gère le monde comme ça. Donc, okay. Je gère le monde parce que je connais le monde même. Nice. Je connais un peu. C'est comme si je me dis que je me lève, je ne pas joindre autrement. Okay. C'est-à-dire, je ne peux pas jouer
comme si bagay ki les rails moun ou du moins m'pas joindre comme ça m'pas trop faire m'pas trop croiser à forme de sentiments ça parce que me lever dans grand la cour me lever côté comme si gien pile voisinage me lever côté comme si m'ta dou jodi là malkay ma dentel dormir c'est leur manger c'est leur dormir oui comme si mais et le fait que maman mouri était très jeune ça ne fait que me lever dans plat mais l'autre monde. C'est dit que c'est la maman mon petit cal dans mon la maman même dans là c'est maman qui le me passe oh Jean bagaille comme si c'est maman qui relait les DM les font des autres c'est papa monsieur parce que papa me parle là comme si ça veut dire que me lever dans mi-temps et me joindre des chance que me lever dans mon quartier côté tout monde quartier même net tout le monde gain 12 13 14 ans tout monde dans zone était un blagueur dans les cabaret blague tout temps qui fait des autres tout monde était toléré mais espace moi donc tout pendant m'a grandi l'école que me t'ai c'est un bagaille extraordinaire professeur élève le professeur mettait me dehors tout élève là ça fait fait manifestation et puis mettre là dit et puis rentrer nous donc ça veut dire que moi t'ai gain chance lever dans mi-temps l'amour donc nice les quatre sœurs qui t'a bon l'amour qui t'a bon l'amour pas gain maman qui pas prendre manger ou c'est ça qui bon est-ce que pas j'aime prendre manger non il y a bon moi il y a bon chaque monde qui sorti rentre à combat pour moi nice me lever me joindre monde toujours et même tu as le cadet donc dernier petit net dernier tirage dans famille ah comment ça absolue Oki James est véritable petit l'homme mais il s'appelle plus Oki James il faut l'appeler frère Sévère qui sera avec nous autres très bientôt frère Sévère qui sera avec nous autres très bientôt pour lui parler de parole là parce que parole l'a faite pour le parler dans chaussade tout et Stanley George et à qui j'ai je fais un bel coup là ouais tout à fait belle coup là. Stanley George à qui j'ai parlé hier soir ça... doit être avec nous autres très bientôt aussi. Même, y a beaucoup de talent, man. Non, faut me dire bagaille. Moi-même, je dis toujours, il y a des gens qui ne comprennent pas. Moi-même, dans la génération, ça, dans la génération, jeune artiste qui a chanté là. Stanley George, c'est une équipe qui compte chanter. Ah non, monsieur terrible. Non, mais regardez. Non, monsieur terrible. Moi-même. C'est mon justesse vocale qui vraiment. Mon cher, moi-même. Friser l'indécence. Moi-même, je connais que mon belle voix. J'ai de très beaux textes, moi beaucoup. Très engagé. Aura important. Voilà. Oui, non, comme ça. Moi le ça c'est oui. Non, pas faire ça non. Parce que tu vois ce que tu dégages quand tu as des gens en face de toi. Oui, oui. C'est ce qui est important, c'est beaucoup plus important que savoir chanter. Voilà. Quand tu sais chanter, c'est extraordinaire. C'est un plus. Mais comprends. Laisse-moi te dire. Moi t'es baillé. Moi c'est bien dommage que moi pas parler. Moi qui compte non. Moi t'es baillé en exemple là, on le il y a des gens qui ont justesse vocale à nul autre pareil, mais leur camp et son stage, ce que cette personne dégage n'arrive pas sur les gens. Ouais. C'est important. Mais il y a des gens qui ne savent pas vraiment chanter et qui, par exemple, qui apprennent des notes qui ne sont pas justes, mais leur camp et son stage, ce que cette personne dégage arrive sur les gens. Ouais. On est au bagage dit mon yo mon ça aurait mais pas du tout parce que combat est quelconque le charisme c'est le charisme c'est ça ça l'aura ouais. Que tu projettes oui c'est très important ou bien tous les deux ou même oui. Bon tu es béni Dieu merci tu es béni Dieu merci donc pour me dire que moi même et Stanley George là son bagage vocal comme c'est chanteur non monsieur juste, impeccable. Non, mais juste, monsieur, qu'on justesse vocale. Yo, monsieur, impeccable. One guess, monsieur, appelez-moi la musique à chanter. Céline Dion. Non, mais ça, n'est juge. Moi-même, je fais des expériences avec monsieur sur des projets que nous participons. Et je tente de Stanley George. Tout le monde, j'ai peut-être des musiques à chanter. Joyeux Noël, comme un ventine. Noël, c'est mon avantage. Non, yo, même pas, c'est que vraiment, moi-même, toujours dit remercier Dieu. Par le fait que moi ben c'est la vie tout que j'ai une chance faite dans la génération ça pour moi pour toute belle baise ça même comme si une série de monde là qui chanter même m'a fier le grand monde pour moi raconter petit moi tout à fait que je suis quelqu'un et qui était de la génération de Melo la génération de BIC vous savez nous on a connu de très beaux artistes comme Gon et Bagenda et m'a expliqué comme si n'importe une fois qu'ils étaient là comme si m'a dit nous t'ai une chance vivre Lionel Touyo yo ouais ça commence à me dire donc ça veut dire que génération ça m'a connu pour génération passée mais ça nous vivre là nous mêmes ça nous ouais devant nous présentateur, animateur, artiste, mannequin, chanteuse, poète, mon cher, nous avons une génération qui est riche et que dans tout le monde qui vit dans la société aujourd'hui,
qui artiste, qui a œuvré dans la culture dans le pays d'Haïti, si l'État haïtien te comprenne, vas-y. Nous avons tellement fait l'argent. C'est même pour la Jamaïque. Jamaïque, ça qui va au Coblan, c'est reggae. C'est reggae avec mettre des Jamaïques au niveau ça. Musique, la Jamaïque. La question de rentrer, les bagages à exporter, les bagages à vendre. Tout à fait, tout à fait. C'est musique, c'est la culture qui fait le joue. Force ça que nous avons là. Je voulais comprendre qu'avec avec force ça, qui quantité de bagages que nous avons réalisé dans le monde, Haïti a sauté côté. Bon, nous presque rentrer, nous presque arriver. Sur l'autre Haïti que nous voulions. Ce n'est pas l'autre Haïti, non. L'autre Haïti, c'est là que nous vivons. L'autre Haïti que nous avons c'est là que nous vivons. Haïti que nous voulions, c'est Haïti que nous voulions. Haïti nous voulions. C'est pas ça, belle. Ah non. Ça, belle. Ça, belle. Immédiatement, nous jouons une côte comme Petro-Caribé. Faut une journée. Nous pouvons bâtir Haïti nous voulions. Il y a Fandi Simeon qui te salue et puis qui te dit bonjour Evans, content de te voir, very nice show. Salut l'artiste de ma part, dis-lui, je te prie. Et toi et moi, tu sais, whatever. Okay. Bravo. Jamais tu sais. Merci Fandi. Mon bam. Et Fandi, on doit se voir, je vais parler un petit peu. Ok. Et là, le temps nous mène une guerre qui est sûre et certaine de gagner. Ah ben non. Mais nous n'avons pas une stratégie pour ne pas victime. Ouais. Tu as fait quelque chose d'honorable. Je ne vais pas chercher l'autre qualificatif, un campion sur honorable là. Pour Madame Pierre-Paul. Là, ça me songe que je peux rentrer à Haïti, je suis à New York. Je ne peux Mrilo, oui. De New York. Mrilo, Jean-Jean. Ah ouais, I swear to God, man. M'a fait des mouns qui n'ont pas aucun rapport avec créole, qui n'ont pas aucun rapport avec musique haïtienne. M'a fait autant de musique ça a été fait pour Liliane Pierre-Paul. Une dame pour laquelle j'ai beaucoup de respect et de sympathie. Mais le map de musique là, je te jure que j'ai passé une semaine à écouter que cette musique. Que cette chanson. Et puis, chaque fois, je chère de poule la pleuvée. Et Mounio, il finit par comprendre parce que je leur ai expliqué, justement, je leur ai expliqué de quoi il en retournait. Bonne, encore une fois, je te dis merci pour ce que tu as fait. Et je pense que c'était spontané. Spontané. Ouais. Et c'est spontanéité qui baille. Qui baille tout. C'est spontané et puis il était vrai tout, sincère. Oui, c'était sincère. Mais c'est là de nous, c'est dans la spontanéité avec ouais. Sincérité à sortir. Et puis vraiment c'était cri de entrailles mais. Yes. C'est pas même sûr que si me prend 2 jours pour me faire musique ça, c'est me t'a faire comme ça. Et pendant le studio, pas même songer que ça t'est passé. C'est-à-dire que pas même songer qui j'aime t'ai écrit parole là. Je ne me songe qu'ils ont ça vini. Je suis juste sauté dans le studio et je me sortir avec ça. Wow. Et donc c'était des moments, c'était un moment extraordinaire. De l'homme tendait carnaval là, à l'homme faire musique là. C'est justement comme tu as parlé. Tu as pas une réponse là. Parce que le monde était des carnaval là puis de couler dans j'ai. Ah ouais, le monde était des carnaval là de couler, il me dit waouh. Comment pour un monde faire fond bail comme ça? Wow. Et puis m'tout sorti, m'prend machine main. C'est rien. Et puis m'prend machine main, m'sorti, m'a dans studio aller m'rentrer m'entrer avec musique là. Donc pour m'dire que et musique ça aujourd'hui, li touche mon appel. En Afrique, jeune en pays haïtien un peu partout à travers le monde qui félicite. Même j'ai un appel monde qui fait moins des gros menaces. On s'en fout. Ah ouais, jeune musique après musique ça, m'ta ka mourir man. T'as qu'à mourir parce que. Et. Gédéba m'pabdi. Gédéba m'pabdi pour m'pabdi. Pourquoi dire? Pourquoi ça qu'elle m'pabdi dire? Parce que m'pabdi. Parce que m'pabdi, comme t'as dit ça. Mettez couteau dans le plein. Oui. M'préfère étendre. Puis devant m'a expliqué. Parce que y a des gros changements que fait dans la vie après musique ça. Oh wow. Ouais. Gédé menaces que moi je vois. Gédé porte qui fait mes boudou apparemment. Bon, non, c'est mon porte, moi j'ai plein porte qui fait mes mains.
Et je m'en fous parce que moi même pas fait rien pour pas trouver pour moi pas fait me fait rien pour me dire ça me sentir hein. Mm-hmm. Et maintenant dis la vérité à Jean-Lia sous mon remet le grand remet le grand remet ou bon vérité pas des amis oui par exemple là prend soit là bas Facebook moi la musique ça fait une sortie bêtise haïtien monde qui joue me débat ça en plus monde content moi j'ai besoin de partager 50-50 et m'a tout ça sincèrement 50 qui pas de partager là monsieur est certain que je dis ah bon, non mais c'est là. C'est là que je voulais venir. Oui. C'est là qu'on y a là, je viens de dire, mon cher, nous avons un problème. Nous ici, nous avons un problème. Parce que je regarde des gens qui sont très amers avec moi. Pour cette musique ça. Mm-hmm. Et puis qui ont un challenge pour tout Caribe, je me dis, bah on tu commences à me donner non? Mais tout à fait. Est-ce que nous avons un problème? Est-ce que nous avons dit, ça passe là? Parce que je suis sûr que musique ça, en fait, carnaval n'a vini par rapport à. Des critiques que madame n'a été fait sous gestion Balza. Moi-même, mm-hmm. je fais musique là pour me supporter la donne. Mm-hmm. Et puis je dis, hein, je prends un paquet de monde et puis un flot de jeunes. Ça en fait, il y a pas été quand tu viens découragé, pas découragé, non, qui t'ont choqué, le m'a fait musique là. C'est le m'a ouais, qui quand tu es jeune, qui t'a joué. Moi-même, pour une musique comme ça. Je ne dis pas de bêtises, je ne dis rien. Je ne dis rien, je ne parle même au monde, je ne dis rien, je fais musique. Mm-hmm. Il m'a pour quatre de jeunes qui ont joué une petite qualité de parole. Et puis, à l'époque, c'est que, une chose que je ne connais pas, c'est que Liliane Pierre-Paul, ce n'est pas un mime. Liliane Pierre-Paul, ce n'est pas un monde que je croise souvent. D'ailleurs, Liliane Pierre-Paul, quel numéro Liliane, on joue après la musique à la fin de sortie. Ah. Ce n'est pas la Liliane dans le téléphone. Ah, ok. Littéralement pour le remercier. Ce n'est pas un monde que je m'habitue. Il y a des gens qui disent Liliane qui paye, me fait faire musique. Il y a des gens qui disent Liliane qui. Parce que moi-même, je me suis fait un bagage que je me suis trouvé qui était normal. Parce qu'on monde comme ça dans la société qui mérite un respect. Et que je t'estime que je t'ai flagellé. Yeah, flagellé, définitivement flagellé. Et puis je me dis, bon. Et puis tout naturellement, ça vient dans moi. Je fais musique là. Mais je t'attends. Ou tu attends la reprise? Oui, je t'attends. Non, je t'attends. On est que tu n'as pas le reprise? Oui, oui, je t'attends que je m'abjoue en pile bagaille. Ok. Mon n'ai quand même paniqué. Tout le monde vient des États-Unis, ni par exemple, ça y a petit haut. Et je me joue des gros menaces. Madame, moi, victime, comme si. Je ne sais pas si je dire là, vraiment. Okay. Donc, ça veut dire que, je dis, hein, le map gardé, et 80% de mon guitare joue mieux, il y a un challenge qui peut arriver. Il y a pas de coup de coblaï. Beaucoup comprennent de vous parce que je dis bon. Tu es tombé des nuits. Ah, mais oui. Non, mais, parce que y a James Dufresne là qui voyait un petit élément dans la parole musique là. Reste debout. Par le passé, tu as déjà affronté cet taureau. Oui, man. Est-ce qu'on a fait une bagarre là? On a quitté ça. On a quitté ça parce que. On a quitté ça. Parce que même je songe, et forme du tout. Que bizarrement, il y a des gens qui pensaient que je suis fait pour me faire vedette, pour me dire, ah, c'est dit tout le bagaille. Je dis, ah, monsieur. Allez, je prends médaille d'or des Jeux de la Francophonie, je prends prix TV5. Ça, c'est des bagailles à l'international. Je n'ai pas l'impression que vous ne comprenez pas ça. C'est compagnie, vous ne comprenez pas ça. Ça, vous prenez. Oui, et puis quand il y a la poussée aux musiques, vous avez fait. On va être politique, on va prendre faire vidéo. Et ça que fait, on va pas capitaliser sur lui, on va jouer musique ça dans le spectacle. Moi pas de faire quelle interview dans une sorte de musique. Mm-hmm. Moi pas parler de musique ça encore. Okay. C'est une dernière fois que je parle de musique ça. Okay. Et comme si on pouvait me finir parler et puis me finir de finir. That's it. Vous comprenez? Tu as donné ta position. Voilà, si je voulais faire un pile lobby avec Baïsa, toute menace, ça moi recevoir. Mais ma histoire du Ansi, Fabrice Souzier. Mais ils sont pas un pile respect non mec, ça les mêmes sont ah non son, non Fabrice t'as on en fait plus mais d'aller pas mal découvrir Fabrice avec une petite vidéo et me lever avant tout ça ouais j'ai passé moi c'est Fabrice avec le piano ça Montréal moi les maestros me dit maestro comme si ou même qui te joue bah ça les dit ah mais définitivement Fabrice les mêmes monsieur surfe sous tout non définitivement sous toute génération et comme si et monsieur toujours été gars en fraîcheur musicale. C'est-à-dire qu'on est oui, qui a fait hit depuis longtemps comme ça, et puis soit le font avec Fabrice Jodien,
ou qu'a saisi comme si monsieur a bon de son bagaille petit monsieur a utilisé là bagaille actuelle et puis monsieur a fait comme si d'adjo avec on quelque content on vivacité on sourit figui monsieur était jeune voilà 17 ans mais sous pas que j'ai plus respect pour lui comme ça et me connaît monsieur les mes travail tout donc me bien content encore une fois j'ai chance vivre la génération côté que qui est monza qui vivant m'a raconté petit moi que me t'ai connu Fabrice oui so pour mon cap de Fabricio cap écrit de temps en temps pour Fabricio ne vous en faites pas Fabrice a venu justement c'est j'étais en pile bail que t'a occupé surtout fort normalement t'as supposé prendre la préfoire là et fort et là, son auto hein? Faut nous dire que mais t'es problème après femme to big up Fabrice m'a fait une publicité là et c'est quand Fabrice m'a acheté des machines moi. Ah la chemin on dans votre bois on dans Creta c'est lui même là donc mais sous bon bah son mec là m'a passé dans son auto prend chèque là la baie 20 sous parce que nous doit faire promotion mon cher ça m'a fait plaisir de te recevoir et ah, mais c'était je pense où j'ai les gens pas que l'autre gens mais mon yo est-ce pas sûr que mon yo connaît que signature ces gens notre famille mais ces gens pas vrai ça oui mon yo pense que c'est Roosevelt c'est pas Roosevelt qui notre famille là non. Allez, ouvre les volets dans le jambon. Non, mais vous êtes celle là. Vas-y, pas que l'autre jambon. Mon cher. Qui ça va aller? Yorelem, Jean, en fait, notre papa, il est Charles Jean. Ok. Signature, c'est Jean. Yorelem Roosevelt Jean. Jean Roosevelt Jean, alors? Voilà. Parce que devant le prénom des garçons, dans les villes de province, il y a toujours un Jean. Il y a toujours un Jean. Ouais. Comme pour le mari devant le prénom des filles. Oui, tout à fait. Donc maintenant, Yorelem, c'est ce que la colonie nous a laissé. Oui, l'église aussi. L'église c'est okay. Très biblique. Okay. Pour les gens qui croient. Maintenant, il y a Jean, par exemple, c'est directeur de chapelle. Ouh! Il y a Jean Roosevelt. Quand on a une dernière publicité, maestro, avec là. Ça le dit là. Le champion conduit la meilleure. Il y a Jean Roosevelt, Jean. Jean Roosevelt, Jean. Comme l'école. Ça font un Jean pour le voir les gens quand même. Oui, comme l'école, ils mettent signature toujours devant. Ok. Donc ça, ils me font brûler Jean. Jean Roosevelt. Ah, ok. Alright. Ça veut dire que. Ah, Even Jean. Je te le conseille. Je te lève Jean. Là, on dit pas que t'es un autre Jean. Pas que l'autre Jean, et bien que l'autre Jean. Oui, mais attendez, ok. Pas que problème. Que l'autre Jean, l'autre Jean, c'est mauvais Jean. Gon seul bon. Je dis qu'en pile, lâche. Non, oui, mais oui. Mon cher gros spot mais soit mon là déjà avec Evan ça c'est mon cher ça c'est Richard avec tes filles ça t'est belle mon cher bon dans ça pendant qu'on parler de ça moi pratique un pile petit génie dans génération ça tout dans génération pas maintenant Richard Cavé c'est un nayo Richard rappelle étrangement Fabrice oui c'est beaucoup de travail monsieur même vite travail monsieur nèg fait musique là bah là tellement paraît facile ça n'est faire on dirait que tu as envie de dire par exemple que l'autre n'est que son paquet de chrétiens. non je jure ou pratique Fabrice oui ou pratique Fabrice bah là n'est que tellement fait bagarre là et bah là tellement facile c'est que parce que n'est fait là avec l'amour c'est que les n'est que travaille pour par exemple on est avec Fabrice comme si Fabrice a fait bagarre voilà dire ah pas ou cap ou cap font travail avec Fabrice et pour Fabrice met à faire ou pas qu'à dire retirer parce que il met tel truc comme musique là tu vois ça prend fort oui tu vois Richard bon m'a profité dit ça parce que c'est un rare artiste et dans Haïti malade qui fait compas et puis qui toujours après crime chaque fois me saute son bail qui belle yeah nice depuis me font bagarre gazman comme ça tout belle tu toujours écrit pour dire maestro bon bagarre c'est bon on est que me rencontrer qu'on travaille avec même je toujours chaque fois me saute son bail monsieur écrit je dis bon bagarre gazman couleur fanatique moi depuis 1804 oui, c'est qui toujours gros bagage la bouche. Ah, petit, bah, ça bon, man. Bah. Donc, bon gros big up pour ça. That's it. Quitte à nous que demain, si tu veux, n'a pas recevoir et yon véritable living legend, légende vivante, icon, n'a pas recevoir toutes nos nécessités. Oh, à côté de monsieur, son véritable légende. Nexa, je te jure, Nexa, quel que soit ça où tu fais, back in the days, n'importe ça où tu fais, c'est hit. Oui. Bien lag. Oui. On a pas le cas de petit pouchon. Oui. Et aux enfers. Oui. En mai. Non, Nexa. Ah!
brother man. So, on va. Mais est-ce que vraiment, pendant que tu as parlé du ministère de la culture, là, qui ça yo? Qui ça yo? Bah, yenek ça yo. Je ne pas vle dire, même je parle en question, ni assistanat, ni accompagnement, ni bala, je ne sais pas l'ami. Parce que, moun yo comprenne que, pour le ministère de la culture, comme tu as dit ça, aider bagay au monde, il faut que c'est l'argent. Bala, c'est pas la question de l'argent. Mais qui valeur? Qui j'en. Encadrement. Qui j'en nous présente, nek ça yo? Transmission. Est-ce que aujourd'hui là on est quand autour de nécessité un espace que on petit jeune calé et puis pour travailler autour de nécessité. Yes, c'est important. Transmission de savoir parce que là on est qu'on s'apprête à aller et puis là aller avec tout à fait là-dedans pour quoi. Pas grand qu'un musée qui place pour. Est-ce que comment ça me je connais qui parce qu'on paye pas fonctionner seulement avec l'argent avec parce que les valeurs culturel des bagages qui arrêté est-ce que je dis vous servir l'autre génération voilà, est-ce que je dis là l'état gagne un banque ou bien l'état gagne on va parler de banque moi fais exprès choisir mon banque non banque là c'est que on banque de transmission de savoir on banque de données on base de données qui dit par exemple là je dis nos sous de nécessité et Rodrigue Millien qui dit couper clouer qui dit est-ce que je dis là n'importe qui jeune qui a débarqué là l'autre côté là et puis pour attendre album nèg sa yo ouais des interviews nèg sa yo te bay ouais des séances de travail nèg qui vivent yo est-ce que vous pas ka travailler avec l'autre jeune est-ce que pas un espace qui là pour conférence pour rencontre pour yo man voilà c'est le but de notre bataille c'est le but de ce show le Top Groove et jusqu'à ce que nous pas faire radio encore jusqu'à ce que nous pas ka faire radio encore n'a toujours été nous allons tenir mordicus sous dossier ça il faut que l'État de façon naturelle c'est pas un rien que nous allons demander pour faire pour nous et par exemple le ministère de la culture et le ministère des affaires étrangères ont leur mot à dire sous dossier ça il y en a marre que musique on artiste abjoint en radio et puis bon écoute OK bon ça va et puis artiste quelques années après ou elle sous Delma qui a demandé ou libre il y en a marre que on artiste qui était on est qui est extrêmement populaire qui fait des œuvres et qui a servi plusieurs générations et puis artiste arrêté et puis tout le monde bon il est jeté aux oubliettes et puis on s'en fout. Ministère culture, il est temps par exemple que ce ministère s'occupe de façon exclusive des affaires de la culture. Il y en a marre que au ministère qui est les ministères tête, qui est les têtes du ministère de la culture, a occupé essentiellement des affaires politiques. Il y en a marre. Il faut que le grand budget, il faut naturellement aussi que Negio voter des lois en bas qui pour protéger œuvre musicale et m'a dit œuvre musicale bon œuvre culturelle disons mieux de façon globale parce que peintre à la donne tout nèg café théâtre à la donne tout l'architecte à la donne tout et puis comme ça Belin c'est que nous y a toujours parlé de budget mais ouais ça m'a dit là c'est pas question de budget non c'est question d'idée oui ça veut dire que de volonté tout à fait c'est pas l'argent non c'est l'idée oui c'est juste l'idée de nous mettre en tout place fait. pour nous faire tout ça tout à fait c'est même par rapport à moi-même je dis là on joue des invitations par exemple on est en Afrique et ben je mal joué mal rencontré avec des jeunes africains qui ont mené ben moi pour juste parler de l'expérience sur invitation de oui wow. Pour me parler d'expérience moi parler de parce qu'ils estimaient que Pakoum qu'a utile génération un petit jeune africain par exemple, parce que me t'es pour une médaille dans la compétition internationale donc son comme si il qu'a utile yo mais pendant ma douze ans beaucoup j'aime jouer en quelle instance ici en Haïti qui invite me font bailler comme ça avec un jeune mis à part des jeunes de qui dans l'école yo qui fait affaire pour compte moi l'explique on bail qui simple aujourd'hui en la petite dame qui médaille d'argent des jeux de la francophonie. L'année dernière, c'est ma coachelle et son sénégalaise. Ok. Son sénégalaise. Ok. Qui médaille d'argent des Jeux de la Francophonie. Et au tape coachelle. Et moi qui tape coachelle. Ok. Pour qu'il sache, parce que lui-même, depuis on va l'inscrire dans le concours. Oh, c'est lui-même qui faut venir coacher lui? Oui, lui écrit pour le dire et Jean-Jean, lui parle dans le concours. Qui ça me passe? Il veut dire qui Jean va à l'intérieur, m'expliquer. Il est toujours pas la même, il est qualifié pour deuxième tour, il est qualifié pour finale. Il relève
L'homme rivé l'autre bois, m'était allé comme ambassadeur des jeux de la francophonie. Il vient jouer dans un hôtel côté mien pour me parler des techniques comme si les labels qui j'ai pour le gérer, wow. Ça, etc. Et nice. Puis, petit petit là, il vient une médaille d'argent. En annexe passion là. Ça veut dire que. Sous bagarre, en fait, volontairement, il m'a demandé et puis m'a donné service là. Comme lui-même, il mordicus, je disais comme si la prêle, souvent, nous toujours parler. Maintenant, il vient arriver, prend médaille d'argent. Et je dis là, pas qu'un côté, comme si on a dit, soit ministre de la culture ou bien comme si dans l'école, dans l'espace culturel, qui peut faire mal, chita comme si parle avec des jeunes d'expérience, non de scène. Parce que scène, son on est qui fait des gros parcours internationaux, on est qui pour le dire, tout à fait pour l'apprendre, on est Kankou Bello, Kankou Bia ici, des monde Kankou Fabrice, comme c'est qui produit musique pendant tout ça, des jeunes producteurs, t'as supposé venir chita devenir ça peut être des années glabdi absolument, dit François qui est malade. On est un peu le monde par contre ça, on est monsieur et modèlement comme ça, on est sainement, c'est dit François. Yep. Nice. Sainement, on est dit sous scène dans le monde fou. Oh! Eh bien, moi, quand ça me fout sous scène. Jean-Jean, merci. C'est sûr qu'on a beaucoup d'autres choses à dire. Ah oui. Ce n'est que partie remise. Oui. Parce que faut même j'ai un pile débat politique sur tout, sur un pile radio dans le pays. Parce que ou même, soit faire là, son gros travail, faut qu'on fasse le temps qu'on débat, tout comme c'est éviter plusieurs autres monde tout. Pour nous parler. Même sur plusieurs autres mondes, ça veut dire que il n'y en a pas nous deux à seulement, non? Non. Tu sais pourquoi? Je vais te dire pourquoi, par exemple. Pour inviter plusieurs mondes ensemble. Pour avoir trois ou bien quatre mondes là. C'est le but. Ok. C'est le but. Parce que, on va qui du choc des idées, j'arrive toujours la lumière. So, c'est parce que nous manquons équipement. Le top groupe manquait équipement, mais ne vous en faites pas. Il y a un équipement qui va venir. Okay. Parce que, par exemple, il aurait fallu, par exemple, ou même. Ou des grandes caméras sous, ouais, n'a pas utilisé une seule caméra pour le monde. Ok. Si on a l'autre monde, faut que l'autre caméra. So, l'autre, il y a venu petit à petit l'oiseau fait toujours. Je suis content. Faut que de l'autre émission, de l'autre idée, m'quoi magique. Il y a Bobby qui appelle et bon, Bobby, okay. tu sais, je vais te parler là maintenant. Ouais, ma magie gagnée, magie alternative gagnée, comme si. Yeah. Parce que faut nous gagnions en pile, là qui gagne niveau tout. Oui, tout à fait. Une bagarre pour nous signaler, c'est que l'émission ça qu'a fait là, c'est pas de haut niveau. Oui, qu'est-ce que tu as, Bobby? Oui, je sais. All right, no problem. Bobby, tu sais. Oh, me salue. Ouais, merci, Bonnet. Et puis. À bientôt, man. Succès. Merci. Succès continue. Merci. All right. Qui t'aime checker ça?